Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit peu de moisson de maïs. Donc voilà. Donc on est parti pour la vidéo. Donc avant je vais vous présenter un petit mode sympa. Donc c'est un petit drone. Voilà, ça sert pas à grand chose, mais bon c'est assez sympa. Donc voilà, donc on le démarre. Le drone ça fait du bruit. Ouais, vas-y. Je crois qu'il a bugué un peu. Calme. Bon, on va le faire redescendre. Donc on peut aussi se mettre en GoPro. Vous voyez, bon, c'est bon, il a dégagé. Donc voilà, on peut faire aller là, là. Donc voilà, donc le petit drone. Donc il est sur le site officiel pour ceux qui veulent le télécharger. C'est assez sympa comme mode. Ça permet de rien. Si je vais l'utiliser dans les vidéos, mais ça m'étonne. Peut-être en multi, mais je sais pas. Donc voilà. Donc là, voilà. Puis après, on ira semer. On ira semer de la betterave dans le champ. Attendez, on va monter en hauteur. Et je vais vous dire lequel. Voilà, dans le champ tout au fond, là, qui est un peu vert. Et... parce qu'en fait, ça a poussé entre temps. Enfin, voilà. Quand on avance le temps, c'est ça qui est pas pratique. Bon. Deux secondes, je suis en train de régler mon siège de hardy, sauf que c'est pas très simple. Donc il y a la vue extérieure, donc voilà, ça donne ça. Enfin bon, moi je suis plus vu GoPro, mais pour les manœuvres et tout ça, la vue extérieure c'est plus pratique. Hein. Donc voilà. Donc là on va redescendre en altitude. Donc vous avez tout marqué sur la droite, l'altitude, tout ça. Voilà, donc on va descendre. Donc j'ai déjà commencé le champ, hein, vous l'avez vu. Donc on va se poser. Là, c'était pas trop réussi, on va dire. Mais bon. En vrai, tu fais ça avec ton drone, il est un peu... enfin, je sais pas. Ça va être un peu cassé. Donc voilà, donc là on éteint. Il est où? Il est là. Voilà, donc on va prendre la petite moissonneuse. Enfin, celle-là vous la connaissez. Donc voilà. Attendez, je vais remonter un peu mon écran car. Ah, moi je vois pas grand-chose. Hein. Parce que là, vu que je suis le GoPro, vu que. J'ai pas de site de capture. Donc voilà, donc on est parti. Donc voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai sorti une vidéo moisson de maïs. Donc aussi en vrai. Donc voilà, cette fois il n'y avait pas eu de plan intérieur. Donc il n'y avait que des plans extérieurs. Vu que on était allé ramasser les maïs qui tombaient. Parce qu'en fait quand les maïs ils sont secs. Souvent sur les barres de coupe à maïs, en fait, c'est des chaînes qui ramènent les maïs. Vous voyez ici, là, c'est voilà, là aussi, c'est des chaînes qui ramènent les maïs. Et en fait, ça les secoue, du coup, les pines de maïs, elles tombent par terre. Et du coup, on les ramasse et après, on les balance dans la barre de coupe. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ça, ce genre de vidéo, hein. Voilà, c'était le petit champ qui est derrière chez moi. J'aurais pu vous filmer le grand, sauf que je n'étais pas là quand ils l'ont fait. Hein. Mais bon, enfin après, voilà, c'est pas trop grave. Donc là, c'est l'épisode 7, hein, on est sur la ferme de la bière, donc je vous l'ai même pas dit, mais je pense que vous l'avez vu, parce que c'est pas les mêmes graphismes. De toute façon, la ferme de l'herbe, c'est terminé. Donc, on pouvait que être sur la ferme de la bière. Puis bientôt je vous referai peut-être un épisode tour de vélo, donc voilà, et une vidéo rampe, parce que ma rampe est améliorée et maintenant on casse plus les dérailleurs, voilà, parce que la dernière fois ça a un peu mal tourné sans faire le technique, donc c'est nul. Voilà, donc la dernière fois oui, ça a un petit peu mal tourné, mais non, enfin voilà, mon dérailleur est cassé.
C'est bon, il y en avait pour 15 euros de réparation. En plus, il est arrivé super rapidement. En 2 jours, il était arrivé. Donc voilà. Le truc, c'était pas très grave. Voilà, parce que. Donc voilà, on va finir le champ peut-être, puis après on verra. Donc voilà, 25%. Bon, le rendement n'est pas. Voilà, le rendement, c'est pas waouh, mais enfin, voilà, ça va. Donc voilà, là-bas on a le petit Dutz routier avec la Josien. Enfin, routier, pas tellement, mais voilà. J'ai déjà fait un réservoir, donc pas entier, hein. 60% à peu près, mais bon, voilà, à peu près. Hein. C'est ouais, enfin 60% c'est pas trop voilà, c'est pas donc voilà, donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée, car en tout cas pour moi oui, donc voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre, oui, donc on fera de la semis de betterave tout à l'heure, mais alors par contre c'est pas du tout la saison, mais bon, les betteraves, je connais pas du tout ça, donc je sais pas trop quand c'est la saison, ça doit être à peu près au printemps qu'on les sait, mais on doit les ramasser à peu près aux environs de maintenant, là, enfin bon, je sais pas, mais de toute façon, voilà, donc c'est, par contre, on fera avec pas le matériel de la ferme principale où on fait d'habitude, on va faire avec la deuxième ferme, vous savez, j'ai fait une deuxième ferme là, sur cette partie. Ben en fait c'est la deuxième ferme, voilà, donc ça c'est pas trop wow. Voilà, donc là on va dessiner, donc moissonneuse assez sympa, ça c'est la barre de coupe qui va avec le pack de moissonneuse, donc c'est le pack Lexion 700, donc on peut les mettre aussi en terratrack, donc avec les chenilles, donc voilà, donc dedans il y a lycée, hein, je vais pas vous la présenter à chaque fois, vu que je l'ai déjà fait dans les moissons de blé, je crois, enfin il me semble, hein. Donc, je sais pas, donc voilà, donc là on est à 50%, allez, ça va faire le petit bruit là, donc, voilà le truc, alors il va falloir qu'on aille là bas pour que ça le fasse. Voilà. Donc dites-moi si vous préférez les vidéos avec plan extérieur ou plan intérieur. Je pense que les plans extérieurs ça vous plaît mieux. Voilà. Parce que les plans intérieurs des fois ça fait un peu long, c'est vrai. Mais bon. Voilà, tu vas pas dire non quand le gars il dit donc du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu là de Moisson de Maïs. Oui, j'espère que ça vous a bien plu. Puis vous verrez tout à l'heure pour la semis de maïs, j'ai un ensemble assez sympa. Enfin, normalement, on aurait dû prendre un autre semoir, sauf que. Enfin, il est chiant. Donc, en fait, il faut le remplir toutes les 5 minutes. Donc, voilà, c'est un peu chaud. Du coup, j'ai pris un de base. Voilà, normal. Ça fera très bien l'affaire. Hein. Voilà. Donc, j'espère que vous y verrez bien sur la vidéo. Ça serait bien, voilà. Donc je pense qu'on va faire un peu plus que le premier réservoir pour le maïs là, bah, tant mieux, hein. De toute façon j'ai fait lui un champ de maïs du coup, donc c'est pour faire du pain, pour faire de la farine de maïs, mais avant on va le stocker un peu à la ferme je pense, parce que je vais finir un peu de pain vu que voilà, il y en a qui est en train de se faire, donc voilà. Cette expression, je sais pas, voilà. Donc j'espère que vous entendrez bien la musique sur la vidéo moisson de maïs, car avec les droits d'auteur machin on sait rien, voilà, il peut toujours y avoir des problèmes, donc voilà. Donc là ben, on va finir le chant. Hop. Oui, on va faire plus parce que je crois que j'avais fait 62%. Moi, j'en sais rien. Je trouve que j'avais fait plus parce que j'en sais rien. Je sais plus, voilà. Normalement, la benne, ça devrait pas la remplir. Enfin, je crois. Hein. Donc voilà, on va faire un peu de vue intérieure. Je pense que ça peut plaire à des gens. À certaines personnes, ouais, j'aime bien. Donc, je sais pas si en vrai, la barre de coupe qu'il a.
dans la vidéo là, je sais pas si elle est aussi grande qu'elle, je pense qu'elle est un peu plus petite. Parce que celle-là, c'est. Ouais, c'est quand même. Enfin, elle est quand même assez grosse. Je sais pas même combien c'est, on regardera dans le shop. Mais je pense que c'est une 6-7 mètres, je sais rien. Je sais pas où. Attendez, on va regarder. Moissonneuse batteuse. Ah merde, je suis dans les barres de coupe. Bon, alors attendez. On va aller là. 6 mètres, ouais. Ouais, non, je crois que c'est une 6 mètres, celle du gars qui vient. Bon, du coup, on va l'éteindre, la moisse batte. Enfin. Voilà. On va ouvrir la buse, du coup. Enfin, la déplier. Mais voilà, on va passer sur la benne. Ah non, ça passe pas. Ce matin, je me suis déjà fait avoir. Vu qu'il y a une petite butte. Ah, voilà. Enfin bon, c'est pas trop réaliste. Hein. Cette façon-là, j'attendrais qu'en vrai, ils fassent comme ça. Hein. Voilà, ils font pas comme ça en vrai. Hein. Sinon, il n'y a plus de benne. Voilà, ils évitent. Hein. Ils préfèrent éviter. Voilà, donc on va vider. Par contre, je vais pas étaler parce que. Comment dire, enfin, je pourrais le faire, mais sans coach. Non, j'ai rien dit en fait. Voilà, donc on va aller vider la benne. Et après, on ira semer de la betterave. Voilà, donc on va démarrer le petit tâteur. On met le petit giro et on va aller vider à la ferme. Donc, voilà, donc je vais faire cette vidéo plus tôt, mais sauf que j'ai pas pu vu que hier j'avais des devoirs tout ça. Donc voilà, voilà. Donc on va vider ça à la ferme, on met un petit clignotant. Voilà. On va laisser passer la tuture. Hop, voilà. Donc là on va aller à la ferme. On passe par le petit chemin de terre. Donc cette benne, je l'ai vue récemment en vrai, la benne là où il me passe. Enfin, c'était peut-être une un peu plus grosse que ça, mais c'était même presque le même modèle. C'était peut-être le modèle du dessus. Enfin je l'ai vu avec un monsieur Ferguson. Récemment. Donc voilà, donc on dirait pas, mais ce tracteur fait quand même 130 chevaux. Enfin, il est pas tout petit non plus. Voilà, c'est le plus gros que j'aime, sauf que enfin il est pas très lourd de l'avant, du coup je prends surtout l'autre qui fait 120 chevaux, mais c'est un tracteur de tête. Hein. Mais là, bon, il n'y a pas besoin de mettre le clignotant, hein, vu qu'on est en chemin de terre et qu'il n'y a pas grand monde qui va y circuler. Donc voilà. Là, vous voyez, je prends lui en tracteur de tête. Même s'il a une fourche et qu'on pourrait dire que c'est un valet de ferme, ouais, mais en valet de ferme, je prends mon petit Fendt. Mais je pense que là, je vais bientôt acheter un cage JXU dans la ferme de la bière. Hein. Donc voilà, donc là, on va reculer là-dedans. Hop. Voilà. Et on va vider. Hop. Je sais pas si ça va toucher le plafond, j'espère pas. Ça serait bien. Mais ça ne touche pas. Voilà, donc bah si. Ah non. Bon. Voilà, bon. Alors. Hop. Donc on va l'éteindre, on va mettre un petit coup de sauvegarde, normalement ça fera du poids, je vous le dis à chaque épisode en fait. Alors attendez, il est une case. Non, l'autre case. Ça c'est un front, voilà, lui. Donc vous voyez un semble assez sympa avec la petite bénette Josquin et le case, et après l'autre c'est le semoir de base, voilà, vous connaissez sûrement.
Donc voilà, on va pas finir le champ hein, parce que ça va être un peu long, sinon on va faire 2 lignes, je pense. Donc et dans la veine adjacente aussi il y a les sacs. Donc on est 2 secondes, j'active ce noir. Donc il y a les sacs que vous pouvez transporter à la main et que vous chargez manuellement. Donc voilà, c'est comme ça. Par contre il est super large en fait ce noir. J'en ai déjà rendu pourtant. Je comprends pourquoi ça va vite en fait. Sérieusement, il est large, très large. Ah bon. Ouais, donc le gaz Puma, c'est un combien, un 200, il doit faire dans les alentours de 200 chevaux, hein, je pense. Chez Caz, ça marche comme ça. Valentin, l'expert de Caz, me dira. Lui, je sais qu'il aime bien les 230 en Caz, et ouais, je crois bien que c'est ça. Ouais, je crois qu'il aime bien les 230. Donc voilà, donc là, on va se mettre. Hein. Raciner tout ça, donc là je me suis mis un régulateur, donc oui on va pas faire beaucoup de ça dans la vidéo, mais bon après vous allez un peu vous emmerder si on fait ça pendant une demi-heure, enfin ouais je crois que enfin bon le champ là il est un peu balèze, voilà. Donc la moissonneuse je la garde dans la ferme là, dans la ferme de ce tracteur là. Donc, voilà. Donc là on va lever surtout. Ah bah ça ne lève pas. Ça lève pas? Attends. Ah merde, attends. Attends, je me suis donné la sélection. C'est pour ça. Là, voilà. C'est compliqué. Hein. Hop. Aussi j'ai acheté un nouveau semoir dans la ferme de la bière, mais je vous le présenterai plus tard. Mais c'est pas comme ça. C'est un petit John Deere, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà. Donc bah nous les amis, de toute façon on va s'arrêter là, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo moisson de maïs et moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine ça sera soit une vidéo autour du vélo, soit ma vidéo rang. Enfin je sais pas, de toute façon vous verrez bien. Donc à plus, à la prochaine vidéo. Oui bon ça dure un peu des heures donc salut.